La connexion Internet est lente en raison des disputes entre les partis politiques pour savoir qui en bénéficiera. Nous avons le ministère de la Communication et l'autorité de régulation des télécommunications. Alors chacun représente un parti politique et se dispute. De plus, le gouvernement libanais n'investit pas dans les infrastructures. Alors à la maison, vous payez entre 40 et 70 dollars pour avoir 0,5 mégabytes de connexion Internet, mais c'est souvent entre 0,2 et 0,3. De plus, la connexion n'est pas disponible tout le temps. Souvent, quand il pleut, par exemple, elle est coupée. À l'approche des vacances, il y a beaucoup d'utilisateurs. C'est très long. Alors, si vous voulez, vous pouvez choisir n'importe quelle vidéo. Nous pouvons essayer de la visionner, là, sur YouTube. Vous verrez la rapidité. Voilà, c'est YouTube. Vous pouvez voir la barre de progression. Cela prend du temps. Par exemple, cette personne a essayé d'ouvrir trois fenêtres, dont l'une est Google. Google s'est ouvert, mais pas l'image. C'est en arabe, alors que cette personne est au Liban. Alors, il faut essayer de faire plusieurs choses à la fois. Pendant que je travaille, eh bien, j'ai l'habitude de cliquer avant. J'ouvre trois liens à la fois. Nous essayons de charger les pages pendant la nuit, quand nous n'utilisons pas nos ordinateurs. Ce qui est drôle, c'est que nous demandons à nos amis qui viennent d'Europe de nous ramener des séries télévisées, car c'est impossible ici. Bring us, please, How I Met Your Mother or Big Bang Theory. Please bring us the season because it's impossible to download them here.